chers camarades. Il va être relativement difficile de soutenir le rythme, je pourrais dire. On doit aller encore plus loin contre ce capitalisme sauvage représenté non seulement par les détenteurs de capitaux, mais aussi par la droite symbolisée aujourd'hui par Bush et sa clique. Si nous contestons cette évolution capitaliste de la société, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'on constate une évolution de l'ultra-capitalisme qui vise purement et simplement à maximaliser les profits et à confisquer un instrument de progrès que pourrait être l'économie, et ils en font une finalité. Pour certains tenants de l'ultra-libéralisme, l'économie serait même une valeur en soi. Deuxième élément qui est absolument insupportable, c'est que depuis que s'est enclenchée cette mondialisation économique avec l'OMC et les structures satellites, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes. Et ces inégalités sont aujourd'hui totalement insupportables. Ce que ce genre de propos témoigne, c'est effectivement que la défense du capitalisme, qui était un discours relativement accepté et courant dans les forces de gauche en Europe dans les années 80 et même au début des années 90, est devenu un discours qui est pratiquement impossible. Et c'est sans doute la montée de l'opposition au néolibéralisme, au capitalisme, au nouveau capitalisme, appelons-le comme on veut, qui oblige maintenant les responsables de gauche à prendre un certain nombre de distances sémantiques à l'égard d'un système qu'ils n'ont pourtant pas du tout l'intention de contester et dont ils indiquent très peu, voire pas du tout, comment ils romperaient avec son iniquité, puisqu'ils en dénoncent l'injustice, le caractère absolument scandaleux. Ce qui serait intéressant, ce n'est pas tellement une indignation verbale, c'est une liste de propositions concrètes, précises, qui permettraient de rompre avec une logique dont ils ont été eux-mêmes les artisans. C'est clair que la première chose à faire, c'est de faire pression sur chacun de nos gouvernements, car il y a encore du chemin à faire. Et bien entendu, le grand soir, on peut le rêver pour demain ou pour même ce soir. Mais il y a une réalité qu'il faut combattre pied à pied. Les réformes libérales sont accomplies tantôt par la gauche, tantôt par la droite, à une vitesse qui n'est pas nécessairement la même. Dans certains cas, ça peut être le TGV du libéralisme et dans l'autre, le train express. Mais on a très peu d'exemples de retour sur des réformes ayant conduit à la libéralisation des échanges, à la privatisation des entreprises. On se demande par exemple pourquoi des forces de gauche n'ont jamais proposé de renationaliser des entreprises ou des services qui avaient été privatisés. Ça, c'est un projet qui aurait été concevable. Et si on analyse l'histoire de la gauche française par exemple, on remarque qu'à partir des années 20, des années 30, des années 40, le grand projet de la gauche, c'est de se créer les armes qui lui permettront d'affronter ce qu'elle appelle alors le mur d'argent. Et elle se crée ses armes en contrôlant la monnaie, en créant un secteur nationalisé, estimant que c'est le seul moyen pour elle de mener une politique qui risque de contredire les intérêts des grands milieux économiques et financiers dominants. Or, ce qui est très frappant à partir des années 80, c'est que non seulement les partis de gauche ne se construisent plus ces armes-là, mais ils acceptent d'être au nombre de ceux qui les détruisent. Et une fois qu'ils les détruisent et qu'ils reviennent au pouvoir après une espèce de traversée du désert dans l'opposition où ils concèdent que peut-être ils n'ont pas été aussi progressistes qu'ils auraient dû l'être, lorsqu'ils reviennent au pouvoir, ils ne reconstruisent pas ces armes qui ont été détruites, mais au contraire, ils continuent à détruire les armes dont ils disposent. Et je crois que c'est ce paradoxe, c'est cette espèce d'imposture que mettent en lumière les gens qui se mobilisent dans le mouvement d'opposition à la mondialisation, certains se qualifiant altermondialistes,
qui envisage justement de ne pas se situer uniquement dans le cadre d'un jeu politique traditionnel entre des forces organisées qui, grosso modo, mènent les mêmes politiques, mais de poser les questions de fond sur qu'est-ce qu'on fait en matière d'éducation, qu'est-ce qu'on fait en matière de logement, qu'est-ce qu'on fait en matière de finances, de taxes Tobin, de mesures de ce type, qui permettraient de redonner à la collectivité les instruments de son avenir collectif, au lieu de systématiquement tout abandonner aux forces du marché, et puis après de devoir implorer ces forces du marché pour obtenir d'elles quelques miséricordes. Bien entendu, nous avons tous nos sensibilités, mais si on veut battre la droite, si on veut battre l'ultra-capitalisme, il faut rassembler toutes les forces de gauche, et nous en avons l'occasion avec les élections européennes. Et je plaide pour qu'il en soit ainsi, inspiré par ce mouvement social. Merci. Ho sentito tutti gli interventi con grande attenzione, ma con particolare curiosità quello di Elio Di Rupo. Direte voi perché? Perché Elio Di Rupo ci ha detto che è contro la guerra, contro il liberismo, contro la privatizzazione, contro la mercificazione. Io mentre parlavo mi domandavo, ma è lo stesso Elio Di Rupo che è uno dei massimi esponenti del governo socialista e di centrosinistra in Belgio, uno dei massimi leader dei socialisti europei, cioè quello schieramento politico che la guerra l'ha esaltata con quel criminale di guerra di Blair e che l'ha fatta con tutto lo schieramento europeo possibile. Mi dicevo, Elio Di Rupo deve soffrire tantissimo perché sta in uno schieramento politico che fa esattamente l'opposto di quello che ci ha raccontato. È schizofrenia? Elio Di Rupo verrà espulso dall'Internazionale Socialista? No, né l'uno né l'altro. Ci ha risposto Di Rupo quando ci ha detto: dobbiamo unirci per fermare l'ultracapitalismo. Ha usato il prefisso ultra. A Elio Di Rupo il capitalismo normale non fa schifo abbastanza. Il liberismo normale non fa schifo abbastanza. Lo deve chiamare ultra. E purtroppo, e dico purtroppo, anche Marie-Georges Buffet ha usato l'espressione resistenza contro l'ultraliberismo. Marie-Georges, mais pourquoi contre l'ultraliberismo? On ne peut pas dire contre le libérisme, contre le capitalisme, ça suffit, ça suffit. La gauche européenne est malade du socialisme, je veux dire de ce socialisme. L'existence de ces partis socialistes sociodémocrates, à vrai dire, pour leur donner une appellation plus rigoureuse. Ces partis socialistes réformistes qui ont abdiqué depuis longtemps et officiellement toute espèce de visée révolutionnaire. Ces partis socialistes qui, officiellement et depuis longtemps, se sont installés à l'intérieur du système capitaliste pour le co-gérer, ces gens-là constituent, ces partis, ces organisations, constituent à mon sens aujourd'hui un des principaux obstacles à l'émancipation des peuples européens et plus largement des peuples de la planète.